これが最後の月牙天章だ。Salut à tous, Bleach My Souls, nouveau sujet, et aujourd'hui, il va être question d'aller poule un petit peu. En effet, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la vague 5-2 Can Fear Your Own World Uncovered Truth, donc cette fameuse bannière tant décriée, effectivement, par rapport à différentes critiques, différents aspects un peu particuliers des personnages présentés, mais il n'empêche qu'en attendant, Alibel, Kisuke et Neliel donc, viennent d'arriver dans cette nouvelle mouture, dans cette nouvelle série de loterie, et concrètement, j'ai envie de tenter ma chance dessus. Alors, à savoir que pour moi, c'est quand même une loterie quand même relativement dangereuse, je me suis amusé un petit peu à lister tout ce qui était filler, perso et autres, et à regarder un petit peu quels étaient les persos dont je dispose, bon ça c'était relativement simple, mais surtout dans combien d'exemplaires j'ai déjà l'ensemble des persos proposés. Pour le total de la bannière, on a donc 12 persos, 3 bannières plus 9 fillers. Sur les 9 fillers, j'en possède 8, le seul que je n'ai pas c'est le Kuraku d'affinité technique, et pour tous les autres, l'Aretsu d'affinité force, je l'ai eu qu'une fois. Shinji, le tech, je laisse P3, au secours. Yoruichi du passé, je laisse P3, le Ukitake force, je laisse P1, le Yumichika tech, je laisse P2, Yukio, le célèbre, le fameux, le génial, sublime, incroyable, P5, Lupi, je laisse P3, et Ginjo, quant à lui, je laisse P5, mais je l'ai par contre lui avec son 6ème slot ouvert pour la transcendance. Un peu trop de doublons de ce perso. Donc forcément, Yukio, Ginjo, c'est pas forcément des personnages que je vais vouloir obtenir, hein. On est assez clair avec ça, je pense. Après les autres, bon, faut voir. Kuraku Tech, d'accord, je l'ai pas, ce sera un nouveau. Faut voir. Donc sachant que là, niveau organisation, on a la précision effectivement au début, donc on est quand même sur 11 paliers, on le voit marqué en bas à côté des invocations, mais surtout ce que nous avons, c'est 4 paliers à taux réduit, le 1 et le 6 à 150 orbes, le 2 et le 7 à 200 orbes, et ensuite tous les autres sont plein tarif à 250 orbes avec les paliers 5 et 10 garantissant tous les deux un 5 étoiles. Donc but de l'opération, c'est que si je veux aller jusqu'au palier 11, il m'aurait fallu plus d'orbes que je n'en ai là. Normalement, si je me suis pas gouré dans mes calculs, avec les orbes que j'ai ici, je peux aller jusqu'au palier 10. Entre nous, m'arrange un petit peu dans la mesure où le palier 10 étant justement le second palier où on peut obtenir un perso 5 étoiles garanti, je pense que je vais pas forcément forcer au-delà. Donc normalement niveau son, on est bon. Au niveau des voix, j'ai un peu monté le son aussi pour qu'on puisse bien les distinguer, donc on espère que ça se passera bien. Il n'y en a pas forcément un des trois que je focus en particulier parmi les trois nouveaux en tout cas. J'ai envie de vous dire, le moindre qui va tomber, ce sera vraiment du plaisir, parce que pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi ces derniers pools, il faut savoir que pour moi, les loteries Can Fear Your Own World, c'est comme les loteries films. J'ai littéralement pas le droit d'avoir ces persos-là. Les persos films, sur tout le roster qui est sorti, j'en ai que 2, et sur les persos Can Fear Your Own World, sur tout ce qui est sorti actuellement, j'en ai 4, il me semble, c'est-à-dire Aaron Hero, Stark, Ikone et Tokinada. Ce qui en soi sont loin d'être les plus nuls quand même, soyons clairs. On va se lancer et on va aller voir directement, sachant qu'évidemment j'aimerais bien faire un petit tour aussi du côté de cette loterie. Encore une autre histoire ça. Après la Machine Society, je crois qu'il revient en mars ou avril, donc bon, on pourra peut-être retenter d'ici là. Mais bon, aujourd'hui, c'est Can Fear Your Own World qui nous intéresse. Premier tir, allons-y. C'est d'ailleurs justement pour ça que je vais pas forcément focus un des steps des nouveaux persos en particulier. Parce que justement, je voudrais tirer un peu partout, pour ainsi dire. Eh ben D'accord, très bien, c'est le first try, c'est parfait. Bon, bah d'accord, bah Kisuke, ok, bah très bien, voilà. Bon bah c'est bien, c'est parfait, premier tir, nickel. Alors comme je disais en fait, non, si je tire vraiment sur le step up, on va dire, général, plutôt que d'attendre directement les steps particuliers de chacun des nouveaux persos, c'est que justement, pourquoi pas espérer obtenir peut-être des doublons dans le cadre de la transcendance et autres, et surtout du fait que je ne focus pas un des trois nouveaux en particulier, je me dis que, bon, je peux peut-être me permettre d'insister un peu sur celle-là. Même si pour le moment, c'est cool, ça s'engage bien. Mais le jeu qui me fait mentir en attendant, hein, je suis pas le roi qui vient de faire Your Own World, machin. La première multi à 150, il y a quoi qui tombe, Kisuke quoi. Non mais au secours quoi. Nice RNG pour commencer, j'apprécie, j'espère que ce sera pas le seul. Donc bah voilà, premier tir Kisuke. Bah c'est très bien, bah merci le jeu, merci beaucoup, merci ma RNG, merci la vie, merci tout, merci. Donc second palier, 200 orbes, c'est parti. Espérons que ça s'arrête pas là, parce que punaise, au secours. Ok, ça continue. Je demande pas forcément à faire un tapis sur la bannière, mais au moins essayer de bien m'en sortir quoi. Ah, c'est Yoruichi. Bien sûr. Hop, c'est P4, Yoruichi, très bien, Yoruichi du passé, quatrième doublon.
Ok, ok. Alors, SP4, c'est bien sans être bien. SP4, en fait, on aime bien le SP4 parce que forcément, ça avance, surtout pour ceux qui se prêtent un maximum à la transcendance. Mais le SP4, c'est un petit peu ce goût d'inachevé, tu vois. C'est qu'il te manque, en gros, juste le cinquième doublon pour pouvoir aller chercher le sixième. C'est un petit peu chiant. Moi, j'aime bien avoir les persos SP3, quand déjà, t'avances assez bien. Et SP4, bah, c'est... Bah, il manque quelque chose. Il faut le cinquième doublon, quoi. Sinon, bah, t'as l'impression qu'il manque un truc, quoi. Puis bon, j'ai envie de vous dire, Yoruichi, c'est quand même du 14% de temps de recharge en affinité instinct. Je pense que ça ne se néglige pas. Alors, ok, le jeu a compris également ce que je voulais dire par cette sensation d'inachevé, même si dans le cas de Yukio je m'en serais disposé, parce que faut savoir que Yukio, je l'ai SP5, mais j'ai pas ouvert son 6ème slot de transcendance par manque de points ou manque de doublons, voilà. Eh ben je connais un jeu qui vient de se faire un malin plaisir de rééquilibrer la balance et de corriger ce problème. Bon il n'empêche que, quand même, on est sur 3 5 étoiles en 2 multi, dont un inédit, un bannière j'ai envie de dire, donc c'est quand même plutôt pas mal. Palier 3 en avant. Donc par contre ça risque d'être un petit peu compliqué maintenant, puisque sur les 12 persos maintenant il ne m'en manque plus concrètement que 3. Ah, puis là on se tape une petite Golden Shower. Ça on skip direct. Il me manque le cœur à Koutek et du coup les deux demoiselles de la bannière actuelle. Donc forcément ça va commencer à être un petit peu ric-rac en termes de fourniture. Allez, quatrième palier, 4 étoiles le plus garanti, si tu veux, absolument aucun problème. On est assuré d'avoir minimum du doré, espérons que... Merci le jeu. Merci beaucoup. Ah. Bon. Lupi qui donc passe à son tour SP4, voilà. Les persos temps de recharge instinct qui ont envie de passer SP4, bon c'est d'accord. Bon après Lupi, bon je sais que je crois qu'il y a un étage de la tour où il peut servir, donc bon. Là je crois que je lui ai donné toutes les valeurs de stats offensives, je crois. Maintenant on va falloir commencer à travailler un peu le défensif, mais c'est pas vraiment un des persos que je compte transcender Lupi, hein. Je crois qu'on va être clair avec ça. Hein. Donc il met 3 étoiles, est-ce que à tout hasard, il y aura autre chose dans cette bannière là, dans cette bannière, dans cette... Oh, bref, vous avez compris. Au secours. Oh, Kaizen. Oui, non. Au moins, ça drop. Alors, pendant ce temps-là, je peux pas trop me plaindre. Certes, c'est pas des inédits, certes, c'est pas des bannières, mais au moins, le drop est présent, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, Lupi, d'accord. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est Lupi, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, palier 5, donc le premier palier, si je ne m'abuse, où un 5 étoiles est garanti. Voilà, 5 étoiles garanti. Sachant que derrière, attention, pour ceux, parce que j'ai l'impression que ça, c'est un point qui a pas été très bien compris non plus. Vous avez au minimum un 5 étoiles dans ces poules-là. On vous garantit un 5 étoiles. Mais faut pas oublier que vous avez toujours le taux de drop habituel qui s'applique sur le reste du tirage. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir, en plus du 5 étoiles garanti, d'autres 5 étoiles dedans, c'est pas impossible. Et bien justement, voyons voir un petit peu ce que ça nous réserve. Déjà, le 5 étoiles, allez, Alibel ou Nel, ce serait cool. Vraiment très 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 cool. Ça permettrait de conjurer un petit peu le sort par rapport justement au Banner Can Fear Your Own World. Oh, ta mère. Pardon. Au cas où j'aurais un mauvais 6ème slot, hein, on sait jamais. Hein. Au secours. Au secours. Oh non, pas Yukio, c'est mort. Bon, là, tu te dis que là, tu viens de cramer un palier garanti. Bon, certes, pour un doublon, mais en plus, un doublon, j'ai envie de dire qu'on va mettre totalement dans la bannière, mais trash tier, dégueu tier, nul tier, chiant tier, quoi. Pff, ce que tu veux en horrible, quoi. Au secours. Ah, ce Yukio. Il aurait un semblant d'utilité encore, je dis pas. Mais mon Link, c'est contestable. Peut-être que quand il aura une résurrection dans quelques années, peut-être que. Hein. Mais là, pour le moment, ouais, non. Utilité discutable encore une fois du Yukio. Mais c'est que je crois bien que ça va être le seul en plus, quoi. Il m'a sa mère de s'arrêter là. Hein. Ouais, bon, je pense qu'on peut bypass maintenant, hein, c'est bon. Voilà, en effet, c'était le dernier et c'était le seul. Super. Bon, on repart sur les tirages à 150 orbes et en avant, la musique. J'espère que je me suis pas gouré dans mes calculs, moi. Je crois bien que je vois les orbes qui fondent, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très probant. Ah, par contre, hey, les multi à 150, je peux pas vraiment dire grand-chose. Hein. Ça, c'est Shinji. Ouais. SP4 à son tour, décidément. Putain, le nombre de doublons que je passe P4, quoi. Quel enfer. Au secours. Shinji, le tech surtout, ouais. Pour ceux qui l'ont, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Est-ce qu'il y en aurait à tout hasard un deuxième? Je veux pas faire le gourmand, tu sais, dans une multi à 150, je veux pas faire le gourmand non plus, mais bon, ne sait-on jamais. Donc Shinji SP4, au secours. Palier 7, tirage à 200 orbes, en avant, la musique. Alors pour ceux qui s'inquiètent de mes orbes, je vous rassure, j'ai encore un petit peu de réserve à farmer de côté. Il valait mieux d'ailleurs quand tu te prends une petite Golden Shower de temps en temps, c'est mieux. Non, là j'ai encore 6 résurrections à faire, j'ai un chapitre histoire à finir, j'ai 4 ou 5 histoires secondaires à faire. J'ai un petit peu d'orbes, un petit peu. Pas énormément, mais j'en ai un petit peu à mettre de côté. Sans compter Kisuke. Eh, Kisuke, évidemment, nouveau perso. Donc, on est au palier combien là? 8, 250 orbes, 4 étoiles garanties. Non, c'est bon, je crois que je me suis pas gouré dans mes calculs finalement. J'ai peut-être même visé un peu au-delà. Bah non, parce qu'il y a 9 et 10 à faire derrière, donc non, c'est bon en fait. Ah, ça redrop. Par contre, ça drop plutôt bien, je trouve. Hein. C'est pas mal. Hein.
Ah, merci Adout1305 au moment où tu arrives de ce 5 étoiles. Alors, excusez-nous YouTube, hein, c'est la notif tweet. Pardon, c'était une notif Twitch, hein, quelqu'un vient de se follow à la chaîne Twitch. D'ailleurs, on rappelle que le lien est dans la description. Voilà, parce que les streams se passent côté Twitch, bien sûr. 7 jours sur 7, donc bien sûr, petit moment instant promo, si vous cherchez le lien, il est dans la description. Si vous le cherchez pas, bah écoutez, je vous le dis, maintenant vous le savez. Donc, Retsu qui passe P2, Yukio, c'est un autre Fullbringer, Ginjo de ses morts. Que du coup, j'avais déjà avec son slot de transcendance ouvert, le 6ème slot, qui me donnait, je crois, du 1000 de concentration, je crois. Bon, bah écoute, c'est soit je le tège et je me gagne 20 000 points pour d'autres persos, soit je garde le 1000 de concentration, j'en sais rien, ou je rirole, je sais pas. Je croyais que je vais me farcir tout. Et en plus, il me manque un filler, quoi. Le cœur à coûter, je vais jamais réussir à l'avoir, ce bon dieu de perso, quoi. Sur toutes les loteries où il est apparu, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Ce serait bien qu'il tombe. Pour une fois, je demande à avoir un filler. Donc, c'est du full doublon. Bon, bah écoute. Hein. Voilà, hein. En même temps, j'ai bien vu à quoi ressemblait la bannière de base. Hein. Faut pas que je me plaigne. Hein. Si je voulais pas avoir ces doublons de filler, bah fallait pas que je poule. Hein. Donc, par défaut, je me plains pas. Je prends ce que le jeu me donne. Donc, bah, en avant, hein, le palier 9, c'est parti. Hein. Ne laissons pas refroidir la machine, elle a l'air chaude. Ou pas. Ou pas, il suffisait de le dire. Au revoir. Au début, tout à l'heure, quand Retsu est apparu, j'ai cru que dans le tirage précédent, j'ai cru que c'était Nel à la voix. Ils ont des petites voix toutes douces, à peu près similaires. Donc, dernier tirage qui va me laisser 17 orbes. Là, je crois qu'à un moment, je me suis pas retrouvé qu'un nombre d'orbes aussi bas. Mais 5 étoiles garanties, avec 6% de proba à côté d'en avoir un autre. Alléluia. Ah, les deux. Eh ben, hé, si j'ai envie d'aller chercher la troisième, j'ai plus qu'à farmer pour attendre le portail de Nel. C'est pas un mauvais call, ça, finalement, d'en avoir deux sur trois. Ah, c'est beaucoup de plaisir. Là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Incroyable. Ah ouais, non, là, c'est... beaucoup de plaisir. Là, voilà, qui fait plaisir. 2 sur 3. Punaise, ça... alors, ça conjure pas totalement le sort par rapport à la... complexité pour moi de choper aujourd'hui des persos qui sont inférieurs au nerd, mais je dois quand même bien avouer que... ah non, c'est la deuxième fois que ça arrive, parce que je crois qu'Aroniro et Stark étaient dans la même bannière, je crois. Sinon, bah, ça ferait la deuxième fois où finalement j'arrive à avoir 2 persos sur 3 des loteries qui sont inférieurs au nerd. Il y a même une bannière où j'en ai eu 0, hein. Donc même une ou deux, je sais plus. Enfin bref, qui sont inférieurs au nerd, en gros, pour moi aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Mais là, ouais, Alibel, Kisuke, c'est d'accord. Petite Nel à la fin. T'as le mec pas du tout gourmand, quoi. Non. Non, on s'arrête là. Alibel, nice, très bien. Alibel, Kisuke, voilà, c'est parfait. Moi qui vais vraiment chercher aujourd'hui l'exclusivité des personnages, je dois bien vous avouer que là, réussir à en toper 2 sur 3 et me dire que éventuellement je peux me focus sur le portail de Nel pour essayer d'aller la chercher, c'est pas une mince histoire ce qui se passe là. Non, ça fait quand même super plaisir. Donc, 2200 orbes pour ce résultat, donc 2 persos new, en plus ça tombe bien, ce sont 2 bannières, donc dans les personnes de Kisuke et Alibel. Et à côté de ça, donc on a chopé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres persos 5 étoiles, dont 2 fois Yukio, hein, voilà, incroyable. Hein, des fois que sur le 6ème sol j'aurai un truc dégueulasse, on sait jamais. Donc full doublon, j'ai pas, toujours pas ce Kurakutek, hein, ce fichu Kurakutek que je vais jamais réussir à avoir. Mais bon, c'est un perso de la premium, techniquement il peut tomber sur n'importe quelle nature de ticket, je vais me le décider à pool un de ces 4. Mais alors là, les 2 exclusifs, Alibel, Kisuke, c'est un grand, oui le jeu, oui monsieur, oui merci. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour moi sur Kenfirion World 5ème vague. Donc je vais regarder un petit peu justement quand est-ce que va tomber la bannière invocation de Nel. De cette manière là, ça me permettra justement de regarder un petit peu, d'observer ce qui va arriver pour la fin du mois de février. Et comme ça, je pourrai voir si ça vaut le coup de forcer un petit peu sur le portail de Nel, ou si à l'inverse, le portail de fin de mois sera peut-être plus intéressant, plus attrayant, je ne sais pas, on verra bien d'ici quelques jours lorsqu'on aura les premières infos. En attendant, comme d'habitude, je vous rappelle que le champ commentaire reste bien sûr à votre disposition, si vous souhaitez y noter la moindre observation, le résultat de vos poules, une idée, une question, une remarque, bref, n'hésitez pas, ce champ est à votre disposition. Un grand merci à vous d'avoir choisi de suivre ce sujet, je vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Des bisous tout le monde, et à bientôt. Tchou.